Ils sont libres, sains et saufs. Ils sont arrivés cet après-midi à Bamako. Ils, c'est les 30 ex-otages des bandits armés de Kidal. Nos compatriotes ont été accueillis par toute la République, à commencer par le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. L'événement du jour, c'est donc l'arrivée des ex-otages. 30 de nos compatriotes qui avaient été pris en captivité par des bandits armés dans les locaux du gouvernorat de Kidal. À leur arrivée, le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement, parents et amis des ex-otages étaient présents. Niania Aliou Traoré a suivi leur arrivée. L'émotion était grande cet après-midi à l'aéroport international de Bamako-Sino. Certaines familles n'ont pas pu retenir leurs larmes tant le moment était important. Ici, vous avez la famille du gouverneur de Kidal qui l'accueille. Les images parlent pour nous. Les désormais ex-otages sont arrivés sains et saufs à Bamako. À l'accueil, le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, le Premier ministre, Moussa Mara et des membres du gouvernement. L'instant est solennel, mais plein d'émotions. Le chef de l'État a chaleureusement remercié les ex-otages qu'il qualifie de dignes fils du Mali. D'aucuns l'ont voulu ainsi, mais ceux-là ne prospéreront pas grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce pays est un, indivisible, il restera un. Du nord au sud. D'habitude, je dis de Tégaza au pays Moussi, d'Atlantique à l'Aïr, le Mali est un, indivisible. Depuis la nuit des temps, nous sommes frères et sœurs. Dieu nous a fait un partage commun de cette terre du Mali. Cela est éternel. Nulle volonté martienne ne pourrait changer cette réalité-là. Fondée dans la terre, dans le sang, dans l'histoire commune partagée, dans une psychologie commune. Quand nous parlons au Mali des héros, nous ne parlons pas que des héros du Sud. Nous parlons du grand Firoun. Nous parlons du grand Attaher dans les Ifoas. Nous parlons de notre père El Médi. Ce sont des vouloirs du Mali, en partage de tout le Mali. Personne ne peut mettre ça en cause. Vous revenez d'un enfer, je ne veux pas vous fatiguer davantage. Je vais vous dire qu'au nom de la nation malienne, je vous souhaite la bienvenue ici, chez vous, comme vous le serez encore de retour pour certains à Kidal, Inch'Allah. Notre devoir est de garantir cela, le chef du gouvernement, et nous le ferons. Pour rappel, ils sont près d'une trentaine à avoir été pris en otage à Kidal samedi dernier. Certains d'entre eux ont malheureusement perdu la vie. Mais le gouvernement précise que ces actes ne resteront pas impunis. Oui, Niania Aliou Traoré, les événements de Kidal ont fait des morts et c'est ainsi que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a dépêché une mission auprès des familles des 6 administrateurs exécutés froidement samedi dernier. Après avoir rencontré les familles, la délégation a rendu compte au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Compte rendu, Lamine Keïta. Une délégation du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a officiellement informé les familles des 6 administrateurs de leur assassinat le samedi 17 mai 2014 à Kidal. Outre la condoléance de la nation, la délégation a remis une enveloppe symbolique d'1 million de francs CFA par famille pour les funérailles. Conduite par l'ancien président de l'AMIPI, Issaka Traoré, la délégation des 6 membres est venue rendre compte au ministre des tutelles. Les circonstances dans lesquelles nos collaborateurs ont trouvé la mort prouve à suffisance la volonté manifeste des terroristes d'affaiblir l'État malien. Et
Je voudrais maintenant dire solennellement que la patrie reconnaissante n'oubliera jamais ces cadres qui ont accepté d'aller servir dans des conditions extrêmement difficiles du pays. Et la seule manière pour nous de saluer leur mémoire, c'est de faire en sorte que leur sacrifice ne soit pas vain. Et nous allons nous y engager. Le président de la République l'a dit hier dans son adresse à la nation, les auteurs de ces crimes odieux seront recherchés et punis conformément à la loi en vigueur. Et nous prenons l'engagement que nous allons faire. Les 6 administrateurs froidement abattus sont les préfets de Kidal, d'Abeibara, de Tinessako, les préfets adjoints de Tessalit, les sous-préfets de Tinzawaten et Bouraissa. Les patriotes ont été enterrés en terre malienne de Kidal. Les pays amis du Mali condamnent avec la dernière énergie les événements survenus à Kidal et exigent que les acteurs répondent de leurs actes. Et c'est dans ce cadre que les émissaires du président français François Hollande et du Burkina Faso Blaise Compaoré, de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc ont été reçus en audience par le chef de l'État. Les interlocuteurs du président Ibrahim Boubacar Keïta lui ont réaffirmé le soutien de leurs pays respectifs pour parvenir à un accord définitif. Compte rendu de ces audiences, signé Mohamed Diarra. Voilà, on me fait signe que l'élément de Mohamed Diarra n'est pas en place et nous allons continuer avec le cours de ce journal. La situation à Kidal, toujours à la une de l'actualité. Hier, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est adressé à la nation en revenant sur le voyage du Premier ministre à Kidal. Le chef de l'État a dénoncé une fois de plus le comportement des groupes armés qui ont perturbé la visite du Premier ministre Moussa Mara par des coups de feu. Ibrahim Boubacar Keïta a rendu hommage aux forces armées maliennes et présenté ses condoléances aux familles de nos compatriotes tombés sur le champ de l'honneur. Pour lui, la souveraineté du Mali n'est pas négociable et ne le sera pas. On fait le point avec Boubacar Touré. Le ton était assurément à la fermeté hier dans l'adresse que le chef de l'État a faite à la nation. Le président de la République a d'abord tenu à rappeler les circonstances de la visite du chef du gouvernement venu apporter aux populations du Nord durement éprouvées un message fort de paix et de solidarité et qui a été accueilli sous des balles et des tirs à l'arme lourde des groupes armés. Une barbarie inacceptable qui viole l'esprit des accords préliminaires de Ouagadougou et que Ibeka qualifie de déclaration de guerre à l'État malien. Face à ce développement tragique, le président de la République prône la fermeté. Plus jamais une délégation de l'État ne sera prise à partie à Kidal, promet-il. On retrouve le même ton de fermeté lorsqu'il martèle que les lâches assassinats, des crimes contre l'humanité par excellence, ne resteront pas impunis. Le chef suprême des armées a quelques difficultés à comprendre l'attitude des groupes armés qui, après avoir souscrit ou adhéré à l'unité et l'intégrité territoriale du Mali, s'opposent à l'arrivée du chef de l'administration dans une partie du territoire national. La mauvaise foi des groupes armés ne fait donc plus l'ombre d'aucun doute. Pour lui, les ennemis du Mali, terroristes comme rebelles, sont tous de connivence avec le narcotrafic international. Et pas question de les laisser continuer à faire la loi, ni à Kidal, ni dans une autre partie de notre territoire, assure-t-il. Le président de la République saisit cette occasion pour rappeler quelques sacro-saints principes de la République. C'est ainsi qu'il a réaffirmé le caractère non négociable de la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire. Les tragiques événements de Kidal, dira-t-il, ne nous feront pas dévier du chemin que nous nous sommes tracés, le développement rapide et visible de tout le Mali sur l'ensemble du territoire malien. Ce développement que tous les Maliens appellent de leur vœu passe par la réforme majeure de la décentralisation qui sera poussée jusqu'à la régionalisation. Un projet porteur qui est, à ses yeux, la seule réponse aux aspirations des populations de Kidal qui n'aspirent qu'à la paix et au mieux-être. Ibeka a, au passage, rappelé également avec force le principe d'égalité de tous les citoyens. De la même manière,
toutes les régions du Mali seront logées à la même enseigne, indiquera-t-il. Malgré ce discours de fermeté, le président de la République reste ouvert au dialogue, convaincu qu'il est que le salut du Mali passe impérativement par là. Ibrahim Boubacar Keïta, au passage, a salué le courage et le sens de l'État de son Premier ministre, ainsi que la bravoure de nos forces armées et de sécurité qui se sont battues comme un lion face à l'agresseur avant de s'incliner devant nos soldats et agents de l'État morts sur le champ de l'honneur. Je le disais, les pays amis du Mali condamnent avec la dernière énergie les événements survenus à Kidal et exigent que les acteurs répondent de leurs actes. Et c'est dans ce cadre que les émissaires du président français et burkinabé, de Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc, ont été reçus en audience par le chef de l'État. Compte rendu de ces audiences, signé Mohamed Jara. Trois audiences, un message commun, apporter la solidarité et la compassion des pays amis au président de la République et au peuple malien suite aux tragiques événements survenus à Kidal. Les interlocuteurs du chef de l'État condamnent les actes crapuleux des groupes armés et exigent que justice soit faite. C'est du moins ce que l'on peut retenir de la première audience que le président de la République a accordée à l'envoyé spécial du président français. Nous avons condamné très fermement les meurtres et les actes odieux qui ont été commis. Nous continuerons à le faire. Il faut que les auteurs de ces actes soient punis. Il faut également que le gouvernorat soit rendu sans condition à l'État du Mali, qui est tout à fait dans son droit sur l'ensemble de son territoire. Même tonalité chez les émissaires du président du Faso et du roi Mohamed VI du Maroc. Pour Djibril Bassolé, ces actes ignobles sont une violation manifeste de l'accord préliminaire de Ouagadougou. Mais pour autant, ils ne doivent pas compromettre les efforts entrepris en faveur de la stabilisation du Mali. Dans ce sens, le médiateur de la CEDEAO, le président en exercice de la CEDEAO, prendront des initiatives en direction de la communauté internationale pour que, ensemble, nous puissions assister le Mali pour que l'accord de Ouagadougou soit effectivement convenablement appliqué, lequel accord prévoit justement la pleine et entière souveraineté du Mali sur toute l'étendue du territoire et en particulier à Kidal. D'autres initiatives sont en cours et nous souhaitons que l'ensemble des parties se rendent à Alger comme il est prévu, ou au moins les mouvements armés se rendent à Alger comme il est prévu, pour refaire une espèce de cohésion afin de pouvoir s'engager dans les pourparlers inclusifs de paix qui vont très prochainement s'ouvrir au Mali. L'émissaire du roi Mohamed VI, après avoir remis le message du souverain chérifien, salue la clairvoyance avec laquelle le président malien gère le dossier. Pour le diplomate, la souveraineté du Mali doit s'exercer sur l'ensemble du territoire. Sa Majesté, naturellement, a fait part à son Excellence de son inquiétude concernant l'évolution de la situation. Affirmer la position claire du Maroc quant à l'intégrité territoriale du Mali et à l'unité nationale. Sa Majesté m'a chargé également d'insister auprès de son Excellence pour que la voie du dialogue soit toujours préservée. Les tristes événements sont douloureux, mais la voie du dialogue doit toujours rester ouverte, parce que c'est à travers le dialogue que la sérénité revient et que l'apaisement se fait. Les trois émissaires ont réaffirmé la volonté de leur pays à aider le Mali dans le processus de paix et de réconciliation. Nous revenons sur la visite que Moussa Mara, le chef du gouvernement, a effectuée dans les régions nord du Mali. À Gao, le premier ministre, chef du gouvernement, a procédé à la remise de matériel d'une valeur de 10 millions de francs CFA à des groupements féminins de la région. Visite de courtoisie aux forces de la MINUSMA et au PC Maliba. Et enfin, procédé au lancement du compteur Isago de EDM SA. D'autres, c'est des temps forts de la visite que le Premier ministre a effectuée dans la région de Gao. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Adama Camara et Mamari Kone. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les consommateurs d'électricité de la région de Gao. Ils ont désormais la possibilité d'accéder à un compteur Isago, ce qui leur permet de gérer leur consommation en électricité. Isago est emblématique à plusieurs titres, en particulier à Gao. D'abord, c'est l'illustration de la volonté
de la population à quitter la gratuité qui n'a pas vocation à continuer et qui ne peut pas continuer parce que l'électricité est produite à un coût et il est normal que quand on consomme en tant que service, on puisse payer. Au sortir de la crise, il est normal que pendant un certain temps, que l'électricité puisse être fournie sans être facturée. Mais pour que EDM puisse continuer, il est nécessaire de commencer à introduire le système de facturation. L'avantage de Issago, ça évite les mauvaises surprises. On paye un crédit, on met, on consomme. Quand le crédit finit, le compteur le signale, on va aller payer un autre crédit et puis on continue. Donc on régule sa consommation et on gère son budget. Donc en tout point, vraiment, Issago est une bonne chose qu'il faudrait vulgariser très rapidement à Gao, mais aussi à l'ensemble du Nord et même à l'ensemble du pays. Dans la capitale des Askia, Moussa Mara a présidé la cérémonie de remise des matériels à la Maison de la Femme. Ils sont quatre groupements de femmes de Gao, Menaka et Ansongo à bénéficier de matériel de maraîchage, de pose de cuir et de peinture. L'accompagnement des groupements socio-professionnels en moyens de production qui s'amorcent graduellement est un véritable levain qui redonne vie aux populations meurtries par la sinistre invasion. Cette remise s'inscrit dans le cadre des nombreux efforts entrepris par l'État malien et ses partenaires pour soulager la souffrance des populations en général et celle des femmes en particulier. Cela représente pour moi une activité très importante parce que nous avons dit aux femmes de revenir après la crise, de revenir, de rester sur place et de travailler. Donc pour cela, elles entreprennent des activités génératrices de revenus. Et pour entreprendre des activités générales de Londres, elles avaient perdu tous les matériels, toutes leurs ressources. Il fallait leur venir en aide. Lors de son séjour dans la région de Gao, Moussa Mara a rendu une visite de courtoisie aux forces de l'aménagement et aux contingents chinois. Ces forces de 15 nationalités disposent d'une unité de police de patrouille mixte. Occasion pour Moussa Mara de saluer la bonne collaboration qu'elles entretiennent avec les autorités régionales de Gao. Le chef du gouvernement a également eu une rencontre avec le poste de commandement Maliba, histoire d'apprécier les efforts consentis et de prodiguer des conseils. Et oui, ça sera de la tautologie de dire que l'étape de Kidal aura été la plus mouvementée avec les affrontements meurtriers avec les forces armées maliennes et les groupes rebelles. Avant de regagner Bamako, le chef du gouvernement, Moussa Mara, a animé un point de presse et cela pour donner la vraie version des événements, une exclusivité que vous pouvez suivre. Après sa visite mouvementée à Kidal, le Premier ministre a tenu à rencontrer la presse à son retour à Gao. Objectif de la rencontre, édifier les hommes des médias sur le déroulement des événements intervenus à Kidal. En un mot, donner à la presse la version officielle des faits. D'entrée de jeu, Moussa Mara a tenu à rappeler quelques évidences par rapport à la situation de Kidal. Kidal est en République du Mali. Kidal est malien. Et cela est reconnu par tous, y compris les groupes armés, qui aujourd'hui revendique la paternité de la ville. Puisque l'accord de Ouagadougou qui a été conclu en juin 2013 stipule dans son préambule que tous les signataires reconnaissent l'intégrité du territoire national. Pour la petite histoire, le gouverneur, dans le cadre du programme de reconstruction accélérée du Nord, lance des appels d'offres de construction de bâtiments, de salles de classe. Et figurez-vous que des responsables du MNLA, soumission à ces appels d'offres, et quelquefois les gagnent. Est-ce qu'il y a meilleure reconnaissance de l'État malien et de sa souveraineté que d'accepter de concourir à des appels d'offres organisés par cet État et de les exécuter ? Sous le contrôle de cet État. Donc je pense qu'il faut rappeler cette évidence. Après ces quelques rappels de bon sens, selon lui, le chef du gouvernement est revenu sur une fois de plus sur l'objet de sa visite dans les régions du nord de notre pays. À en croire Moussa Mara, cette visite n'avait pour but que d'aller s'enquérir du retour de l'administration. J'ai entendu sur une radio internationale que je suis venu à Kidal proposer un plan de paix.
personne ne m'a jamais entendu parler de plan de paix. Pour la bonne et simple raison que le président de la République a désigné un haut représentant au dialogue inclusif intermalien qui seul est habilité à organiser le processus politique. Processus politique auquel l'État malien va participer comme les groupes armés, comme la société civile représentative. Ma seule ambition, notre seule ambition, c'est de venir simplement au Nord nous assurer que l'administration fonctionne. Après sa mise au point, le conférencier a évoqué quelques péripéties de sa visite historique à Kidal. Quand nous sommes arrivés à Kidal, d'abord, les conditions du voyage, il y a eu pas mal de va-et-vient, des changements de dernière minute pour nous suggérer de ne pas sortir du camp de l'AMINUSMA et de faire toutes nos rencontres à l'AMINUSMA. Ce qu'on a évidemment rejeté. Si nous venons pour parler administration, nous rencontrons l'administration dans un cadre approprié. Ça peut être le gouvernorat, ça peut être un service administratif comme on l'a vu ici à la mairie, ou comme on l'a vu à Tombouctou, à l'Institut Ahmed Baba, mais ça ne peut pas être un camp militaire. Et encore moins, un camp militaire qui n'est pas sous le contrôle des forces armées maliennes. Donc nous avons indiqué à l'AMINUSMA, on les remercie pour cette offre, mais on la décline. Nous allons aller au gouvernorat et nous allons rencontrer l'administration malienne au gouvernorat. Et là, nous avons une première surprise, c'est que l'AMINUSMA a refusé de nous accompagner. Au motif que des tirs sont en cours et qu'ils ne peuvent pas utiliser leurs véhicules blindés. Vous avez bien entendu, hein, blindés. Si on ne peut pas utiliser un véhicule blindé pendant que des tirs sont en cours, le véhicule blindé, il sert à quoi? Nous avons dit à l'AMINUSMA, pas de souci, nous allons utiliser les véhicules du gouverneur et des forces armées du Mali, et on a pris ces véhicules, on est parti. Et à la dernière minute, l'AMINUSMA a changé d'avis, on leur a dit non. C'est fini, vous avez dit qu'on n'emprunte pas votre véhicule, vos véhicules, on continue. Face à la situation ainsi créée par les groupes armés, Moussa Mara demande au peuple malien beaucoup de sérénité et de ne pas traiter la situation avec passion. Et le chef du gouvernement a déclaré que l'État du Mali est en guerre car les groupes armés ont violé l'accord de Ouagadougou. Toutefois, les portes ne sont pas fermées aux négociations. Cette situation, aussi passionnée qu'elle puisse être, nécessite du sang-froid, de la sérénité, de la mesure, toutes choses qui ne sont pas contradictoires à la détermination. Nous sommes déterminés. Ça, je tenais aussi à vous le dire, personne ne nous a jamais pris en otage. Nous sommes partis, la visite a été mouvementée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quelque part, il faut aussi quelquefois des chocs et des occasions pour que les situations se débloquent. Et celle-ci, je pense, est en bonne voie pour être définitivement débloquée à l'avantage de notre pays, Inch'Allah, et des Maliens. Cette conférence de presse aura permis au chef du gouvernement de réaffirmer la détermination des autorités maliennes de tout mettre en œuvre pour recouvrer l'intégrité du territoire national. Depuis les événements de Kidal, nous enregistrons des manifestations de soutien au gouvernement Bamako-Sikasso. Et aujourd'hui, c'est les populations de la cité des Askia que les populations sont descendues dans la rue pour réitérer leur soutien au gouvernement malien et aux forces armées maliennes. Des slogans dénonçant les événements du 17 mai à Kidal. Une déclaration a été remise dans ce sens au gouverneur de la région. Nous retrouvons Drissa Kone. C'est une marée humaine comprenant toutes les couches socio-professionnelles qui est partie de la place de l'indépendance et s'est dirigée vers le gouvernorat de Gao. Tous ces hommes et femmes avaient les mêmes slogans: vive le Mali, un et indivisible, vive l'armée malienne, à bas le MNLA et ses complices, entre autres. Les marcheurs reçus par l'exécutif régional de Gao ont fait des messages. Fidèle à la République du Mali est indivisible. Oui. Condamne fermement, avec la dernière rigueur, les actes criminels, oui, atroces, ignobles et barbares commis sur les personnalités de l'administration malienne, oui, ainsi que sur les populations et les forces de sécurité du Mali, oui, dans la journée du 17, oui, du samedi 17 mai 2014 à Kidal. Oui. Par la même occasion, nous réitérons tout notre soutien, le soutien indéfectible de la jeunesse de Gao à l'armée malienne, oui,
aux forces de sécurité et de défense du Mali et demandant par la même occasion à la MINUSMA, à Serval, de citer le peuple malien quant à leur soutien au Mali. Le gouverneur a demandé aux jeunes de manifester leur mécontentement sans violence. Ce qui s'est passé, c'est révoltant, ça indigne et ça ne peut laisser personne assis. Et votre action est légitime. Faisons confiance aux autorités. Elles sont engagées et décidées. Et je vous demande à tous qu'on se donne la main, mais qu'on reste derrière nos autorités. Pour la cause du Mali, les populations des Gao ont promis de rester mobilisées, car c'est dans l'union que le pays sortira victorieux. Voilà, donc la situation de Kidal, elle a été également évoquée à la rencontre des prédicateurs du Mali. La rencontre a élu Mamadou Traoré à la tête de la Ligue des prédicateurs du Mali pour un mandat de 5 ans. Et le Premier ministre Moussa Mara a tenu à être présent pour justement sensibiliser sur les événements de Kidal. Au terme des travaux de son 3e congrès statutaire, la Ligue des prédicateurs du Mali s'est dotée d'un nouveau bureau de 31 membres. Le président de ce nouveau bureau, Mamadou Traoré, place son mandat de 5 ans sous le signe de la valorisation du prêche au Mali. On a élaboré un programme fiable dans lequel on doit servir dans les domaines social et domaines éducatifs et domaines des cultes aussi. On souhaite qu'avec ce programme-là, on pourra satisfaire les besoins de la communauté musulmane. Je n'ai qu'un seul appel adressé à toute la communauté malienne. Qui appelle à la paix, à l'unité et à la réconciliation. Le Premier ministre Moussa Mara a félicité le nouveau bureau et a invité les prêcheurs du Mali à l'unité et à la cohésion sociale. Félicitations au bureau entrant de la Ligue des prédicateurs pour cette heureuse initiative. Ça, la Ligue des prédicateurs, c'est un peu l'organisation qui a pour ambition de faire en sorte que les prêches soit faite dans les bonnes conditions. Et les prêches, c'est ce qui permet aux gens d'avoir la meilleure compréhension de la religion. Moi, j'ai toujours pensé que si la religion était bien comprise dans notre pays, beaucoup de choses auraient évolué favorablement en termes de stabilité, en termes d'entente. Donc la Ligue joue un rôle important qu'il faut encourager. La Ligue a souhaité parler de paix, de justice, de réconciliation. Il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Il ne peut pas y avoir de réconciliation sans paix. Les trois sont liés. Et j'ai fait justement le lien avec ma visite dans les régions du Nord, parce que notre ambition, ce n'est pas autre chose que de faire en sorte qu'il y ait la justice, la paix et la réconciliation au nord de notre pays. Le 3e congrès ordinaire de la Ligue des prédicateurs a formulé des recommandations relatives à l'organisation du prêche au Mali. Les participants venus de l'intérieur du pays et du district de Bamako ont tous formulé des bénédictions pour que notre pays retrouve la stabilité et la paix, conditions indispensables du développement. Kidal est toujours Kidal. Les députés étaient ce mardi en séance plénière dans la salle Modibo Keïta, justement, pour parler de la situation à Kidal. Élargie au Premier ministre Moussa Mara, les députés à huis clos ont élaboré une résolution considérant la violation flagrante de l'accord préliminaire de Ouagadougou du 18 juin 2013 par le MNLA. La déclaration en 4 pages condamne avec la dernière vigueur les attaques, enlèvements et assassinat perpétré par le MNLA et alliés. La résolution est lue ici par l'honorable Belkoba au micro de Garibou Pérou. Projet de résolution numéro 14 ANRM sur les graves événements survenus à Kidal les 17 et 18 mai 2014. Réunis en séance plénière dans la salle Modibo Keïta, ce jour 20 mai 2014, vu la constitution du 25 février 1992, vu le règlement intérieur, l'Assemblée nationale du Mali, considérant la connivence de plus en plus étroite entre le MNLA et les mouvements terroristes en Sardine,
Acmi, Boko Haram, Moujaou, etc. Considérant leurs actes inqualifiables de violence et d'agression perpétrés par le MLA et ses alliés narco-djihadistes les 17 et 18 mai 2014 à Kidal, contre la délégation du Premier ministre, l'administration, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les populations civiles. Considérant le lâche assassinat par le MLA et ses alliés de préfets, sous-préfets, de civils et des membres des forces armées de sécurité, rappelant des actes barbares et inhumains perpétrés par le MLA et ses alliés terroristes à Galhok sur les forces de défense et de sécurité en janvier 2012, rappelant l'adoption par l'Assemblée nationale du Mali de la résolution numéro 013-03-ANRN du 6 juin 2013 relative aux exactions à caractère raciste et ségrégationniste perpétrées par le MLA les 1er, 2 et 3 juin 2013 contre les populations noires, rappelant les différentes résolutions, la 2015, 2071, 2085, de même que la résolution 2100 par laquelle le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé la MINUSMA afin d'aider les autorités maliennes à stabiliser et recouvrir l'intégrité territoriale du Mali, considérant la volonté affichée par les autorités maliennes de privilégier le dialogue pour la résolution de la crise du Nord à travers notamment la nomination des hauts représentants du président de la République pour le dialogue inclusif, la création des départements de la réconciliation nationale, des ministères en charge de la reconstruction du Nord, ainsi que la création d'une commission vérité, justice et réconciliation. Considérant les conclusions de la troisième conférence des donateurs Ensemble pour le renouveau du Mali, le 15 mai 2014, à Bamako, tenue sous la coprésidence de l'Union européenne, de la France et du Mali, considérant la violation flagrante de l'accord préliminaire de Ouagadougou du 18 juin 2013 par le MNLA, considérant que le MNLA jouit d'une certaine audience auprès des pays dits amis du Mali sur le plan médiatique, consulaire et diplomatique, considérant la déclaration du Premier ministre devant l'Assemblée nationale ce jour, après en avoir délibéré, l'Assemblée nationale déplore l'attitude inacceptable et incompréhensible des forces de la MINUSPA de Serval pendant la journée meurtrière du 17 mai 2013 à Kidal. Apporte son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité, au gouvernement et au président de la République dans leur effort pour la sauvegarde de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. Condamne avec la dernière rigueur les attaques, enlèvements et assassinats perpétrés par le MLA et ses alliés terroristes, s'incline devant la mémoire des victimes tombées sur le champ d'honneur, présente ses condoléances sincères et attristées à leurs familles et souhaite propre rétablissement aux blessés, exhorte le gouvernement et la communauté internationale à prendre toutes les mesures appropriées en vue de traduire les auteurs de ces actes odieux et barbares devant les juridictions nationales et internationales compétentes. Invite la communauté internationale à s'impliquer davantage dans le désarmement des groupes armés, la lutte contre l'impunité et à soutenir les forces armées de sécurité dans la lutte contre le terrorisme international pour la stabilisation du nord du pays. Invite les pays amis à suspendre toute assistance médiatique, consulaire et diplomatique au MLA. Invite le gouvernement à exercer sa souveraineté totale et entière sur Kidal dans les meilleurs délais. Invite le peuple malien à la retenue et à ne point faire d'amalgame entre les terroristes et les paisibles citoyens. Se réserve le droit de créer une commission d'enquête parlementaire sur les atrocités commises par le MLA et ses acolytes. Charge, enfin, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de transmettre la présente résolution à Monsieur le Premier ministre, conformément aux dispositions du règlement intérieur. Fait et délibéré en séance plénière, Bamako, le 20 mai 2014.
La situation de Kidal mobilise aussi au-delà de nos frontières. C'est ainsi que le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit en ce moment même en urgence, une réunion consacrée à la situation sécuritaire de notre pays, notamment dans la région de Kidal, après les violences intervenues le week-end dernier suite aux combats engagés par les groupes armés lors de la visite du Premier ministre Moussa Mara. Des violences qui auront fait de nombreux morts et unanimement condamnés par la communauté internationale. Les membres du Conseil de sécurité auront ainsi l'occasion d'avoir des informations de première main sur ce qui s'est réellement passé à Kidal. Le décryptage depuis Washington de Salif Sanogo. Cette réunion du Conseil de sécurité se fait en urgence à la demande de la France, demande formulée hier par l'ambassadeur Gérard Arrou à la suite des dramatiques événements survenus à Kidal durant le week-end. La réunion qui démarre à 21h GMT va enregistrer plusieurs interventions, notamment celle du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale Abdoulaye Diop, ainsi que celle de Bert Connors, le patron de la MINUSMA. Tous les deux interviendront par visioconférence depuis Bamako et chacun donnera son point de vue sur les violences meurtrières intervenues à Kidal à l'occasion de la visite du chef du gouvernement. Le Mali ne manquera pas l'occasion de faire part de toute son indignation et sa ferme condamnation des combats provoqués par les groupes armés. Dans son message à la nation d'hier soir, le président de la République avait cité « on ne peut plus clair » en qualifiant cet état de fait d'acte capuleux et de lâche trahison de tous les engagements antérieurs, notamment ceux contenus dans les accords de Ouagadougou. Et ce n'est là, dit-il, ni plus ni moins qu'une déclaration objective de guerre à l'État du Mali au moment où tout est mis en œuvre pour relancer les pourparlers devant conduire à une paix définitive au Nord à travers un dialogue inclusif, a ajouté Ibrahim Boubacar Keïta. Le 23 avril dernier, le chef de la diplomatie malienne, lors d'une réunion d'information du Conseil de sécurité à New York, déplorait déjà le fait que certains groupes armés aient fait preuve d'un manque de cohérence ou refusé de saisir l'occasion offerte par les pourparlers informels dans le cadre du processus de sortie de crise. En tout cas, lors de cette réunion urgente du Conseil de sécurité, il sera beaucoup question du respect de l'application de la résolution 2100 adoptée le 25 avril 2013. Une résolution qui énumère parmi les principaux éléments du mandat de la MINUSMA la stabilisation de la situation dans les principales agglomérations et la contribution au rétablissement de l'autorité de l'État dans tout le pays, ainsi que la protection des civils, la promotion et la défense des droits de l'homme. D'ores et déjà, l'ambassadeur Gérard Arrou a déclaré que la France proposera que le Conseil de sécurité condamne les violences de Kidal et exprime son soutien à la restauration de l'État malien au nord. Et la MINUSMA compte renforcer ses troupes au Mali dans les semaines et mois à venir. Face aux accusations de passivité lors des événements du week-end dernier, à Kidal, le chef de la MINUSMA évoque plutôt les limites des capacités de la force onusienne. Albert Gérard Conders qui précise que la MINUSMA a un rôle de soutien aux forces armées maliennes. Il est l'invité d'un numéro spécial de l'interview de la semaine. Vous pouvez écouter Albert Gérard Conders.